Et oui, c'est Claytech Pro. Alors, et déjà, ça a un régulateur MPPT, Power Meter, et que nous connaissons déjà ce marché. Et je toujours conseillé, si vous n'avez pas acheté, de acheter comme MPPT qui ne qui pas vendre cher, mais qui a un bon rendement. Alors, ça, c'est un Power Meter. Et là, on a entre PV+, PV-, batterie plus et batterie moins. Alors, pour qui ça, vidéo ça? C'est parce que, grâce à ça, les bambes ont un défaut. Alors, et pas moi personnellement, les bambes ont un défaut, puis même, je fait pour lui, et m'a fait vidéo pour mon cas, montrer nous. Alors, ce qui s'est passé, c'est que, au niveau de grâce à ça, nous voyons que les 60 A. Déjà, avec 60 A, c'est. Pour un système de 12 volts, c'est 720 watts panneau solaire. Pour un système de 24 volts, bande de batterie, c'est 1400 watts et 1440 watts panneau solaire. Pour un système de 36 volts, nous voyons que c'est 2100 watts en panneau solaire. Et pour un système de 48 volts, c'est 2800 watts en panneau solaire. Alors, qui problème que l'IBA est en réalité? Problème que l'IBA est là, c'est que pendant que l'étape marché, l'étape marché, puis à 1h, et midi par la 1h, il y a un appareil qui est connecté sous inverter. Puis l'inverter a grillé. Okay? Après vérification, c'est le régulateur là qui éteint. Qui éteint, qui n'est pas en fonction encore. Okay? Alors, lorsque la batterie a connecté le régulateur là, il est supposé afficher, il est supposé allumer, il n'est pas allumé du tout. Et ça vient de me penser que. Pas de problème de transistor qui burn parce que le transistor par contre pas géré partie allumage au niveau de régulateur ça et ça que me pensais et on va les visiter pour que me vérifier qui ça qui problème réellement parce que c'est alimentation botte là pas jeune pour que le régulateur a fonctionné d'accord alors on a dévissé les ensemble pour que me vérifier qui partie au niveau du circuit qui pas alimenté. Et de façon que pour nous réorganiser, nous, pour nous réalimenter correctement. Mais nous allons regarder les détails sur quelques pièces qui sont au niveau de board et Power Meter. Alors, qui est très simple. Okay? La map déconnectée et nappe qui est connectée avec écran et plus et board régulateur là. Et déjà, qui ça que nous avons regardé au niveau de régulateur ça? Nous avons que il y a plusieurs circuits qui sont soudés en SMD. SMDA, c'est soudure en surface. C'est-à-dire que pignon par exemple en bas, plaque là, il fait soudure ça en surface. C'est SMD. OK? Alors, on nous regarde en détail qui ça que lié. Et au niveau de régulateur ça, bon, déjà. Nous gardons les bords là bien. Nous gardons plusieurs composants que nous avons sous lui. OK? Gardez bien. Lien entrée batterie plus. Lien entrée batterie moins. OK? Dès que vous mettez plus batterie moins la batterie, le régulateur est supposé allumer. Mais il n'est pas allumé. On nous gardons ensemble quelques composants qui forment, qui fait le régulateur ça. Performant qu'un régulateur PWM. Ça, c'est un MPPT relié. Ça, c'est un MPPT. Un MPPT signifie Maximum Power Point Tracking, qui est différent d'un PWM qui signifie Pulse Width Modulation. OK? Alors, ça, c'est un capacitor. Ça, c'est un capacitor au niveau du régulateur MPPT. Et là, nous avons notre capacitor de filtrage au niveau du régulateur MPPT. Ça. Puis là, nous avons notre petit capacitor et là maintenant, j'ai un transformateur et mon deuxième transformateur. OK? Puis là, on a besoin 1, 2, 3, 4 et 4 petits capacitors qui au niveau du circuit. Et là, il y a des résistances, il y a des petites résistances tout petit en miniature SMD qui soudent en surface. Et là, c'est un voltage régulateur. Ça, c'est un régulateur de tension au niveau de board. Et Power Meter. Alors, alors ça m'a vérifié mon gars qui bon pas non sorti réellement au niveau de bot ça. Et là, il y a des composants qui semblent avec autocoupleur
Ma passe m'avait fait une série au bien. Autocoupleur. Là, j'ai une capacité de filtrage. Il y a deux capacités de filtrage. Et il y a trois inductances. Alors, pour moi, je devais inducter ça au petit par rapport avec dimension et fil là. Mais il y a trois inductances. Qui est l'inductance? Inductance là pour les. Alors, inductance là, empêcher variation courant. Il empêcher variation courant. Ok? Il permet courant, venir filtrer courant. D'accord? Alors, qui diffère de capacitor qui filtre tension, mais l'inductance qui est là pour les filtrer courant. Alors, l'inductance, ça va paraître petit, mais sauf que moi, c'est toi qui place en parallèle. Quand même, la fait bon travail. C'est-à-dire que un régulateur MPPT, il y a ça là-dedans. Il n'est pas capable de l'inductance. C'est sûr, parce que faut courant filtrer, faut courant et stable au niveau de sortie. Hein. Sous l'angulateur MPPT ou en parallèle, posez cette question. Ça passe, est-ce que vous avez un circuit qui gère ça? Bah ouais, induction dans le lit, c'est stabiliser courant et filtrer courant sortie, hein, permettre que pas de trop de variation au niveau de courant de sortie. Hein. Ok, parce que inducteur cela est opposé avec variation courant. Mais capacitor lui-même ou bien condensateur là, il est là pour les filtrer tension. D'accord? Alors, je vais dévisser les bords là net, 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 de façon que pour me vérifier en balle, parce que là maintenant, nous avons le bord de la surface, nous ne pas en bas pour nous garder transistor. Alors, c'est ce qu'il a mis au 4 jusqu'à 6 transistors, et qui vous fait la conversion DC, DCA, DC panneau solaire là, pour aller DC au niveau de DC batterie. Ok, là c'est plaque ça, les gars là dans une outlet ou un radiateur, un dissipateur de chaleur, nous épêcher là, il est vraiment presse. Pour qui ça? Parce que le transistor l'a chauffé, faut que chaleur a dissipé. Alors de ce fait, il est obligé de mettre sur un radiateur, sur un dissipateur de chaleur, de façon que pour chaleur ça dégager au niveau de radiateur ça, au niveau de ou de ça pour transistor fonctionner correctement. Ok. Et regardez pour moi là. Regardez avec moi. Board là. Ok. Nous avons là-dedans condensateur pour filtrer tension. Inductance pour filtrer courant. Nous avons là-dedans des petits transformateurs. Nous avons là-dedans circuit de commande pour transistor avec tout drive. Avec tout drive. Ok. Alors, c'est ça, on a besoin au niveau d'un régulateur. Alors, un régulateur, s'il n'a pas les carrés, pas de niveau là, peut-être bien, c'est pas au niveau de transistor qui pétait, c'est pas au niveau de transistor pas commandé, mais bon, ça pas lui-même. Alors, c'est ça, ouais, il y a 2, 4, 6 transistors, il y a 2, 4, 6 transistors qui placés en H-bride. Ils placés en H-bride. Ok, mais il y a un régulateur PWM qui va être placé comme ça. Il va être placé comme ça. C'est un transistor NPN parce que négatif batterie entre directement au niveau de source là. Pas oublier que nous avons un cours électronique qui est disponible dès janvier et pour 5 000 gouttes de la disponible dès janvier. Alors, au cas toujours. Placer quand même pour ça, dès que disponible, pour que vous ayez clé USB, on a un cours électronique complet, 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 en vidéo et documents inclus. Alors, ça, tout ça qui est en bas là, c'est régulateur. C'est. Nous avons un transistor, plus nous avons un régulateur et de tension. Alors, c'est ça en gros, nous jouons au niveau de régulateur. MPPT par Mister. Alors, bon, vérifier côté panneau sorti. Alors, déjà, premièrement, c'est circuit qui n'est pas alimenté. Si circuit qui n'est pas alimenté, on va chercher côté tension batterie en traversée pour les alimenter circuit ça. Ok? Pour les alimenter circuit, de façon que pour les afficher, pour que les commandes des transistors, pour que tension soit correctement au niveau de bonne batterie et pour pouvoir nous charger batterie. D'accord? Ça, c'est un voltage régulateur. Ça, c'est un voltage régulateur.
gen la kapasitor, nap verifye ansanm avèk mwen, pou mwen gade si sikwi gen koupyou. La mwen ti defo, mwen ke goun pati ki, ok, verni an retire sou li, la di ke izolan an retire sou li, alo li paret, map gade mwen se paren koupyou, nan pati sa, si paren koupyou, ok? E nan fè rekyon ansanm ankon, kapasito sa m pa fè l konfians. Ba, pase ke mwen ke bon nan sal, m pa fè l konfians. M pa fè kapasito sa, nan, jod sa, son jod, m pa fè jod sa konfians. Jod sa, sa se yon jod ki liye, sa se yon jod SMD ki soude an surface. Alors m pa fè l konfians, e m ap vè fè l mwen, ok. Ok, bon, deja, jod la, se li mi ki pote tansyon ki sosi nan batriyan, pozitif batriyan, pou li ale nan sirkwi de komand ki pou ouve regilatè la. Bon, deja, nou eke jod la, jem zi nou, nan veke bon anod la, li te sal, avek korozyon, e pi li yon koupyo, sa deke li te desoude, li te desoude. M pense ke sa, se base defo a. Paske se jod sa, ki pran tansyon batriyan, ki ale ou nivou de sikwi e chip pou komand e regilatè la. Se sur ke se li menm. Bo, deja, m bagen jod sa disponib, se cheke m da cheke jod sa non notebook, pou mette sou li. Bon, deja, la nou gen de somateur, nou gen len mi reti kwen ap gade mwen. Li pa komplike ke sa. Se transistor, se rezistans, se kapasitor, se otokoupleur, se transformateur, se induktans. Induktans, se voltage regulator. E ki sa anko? Se sa ki forme sikwi elektronik yo an realite. Se sa ou le plus an avin o nivou do sikwi elektronik. Ta ka gen kek ti eleman aditif. Men, se sa ou an realite. Alors, pa biye sekretèk pou, toujou ete konekte ak paj la.